on va avoir toutes les données qui vont être transmises du microprocesseur sur cette carte, c'est modulé, c'est translaté en fréquence, et ensuite, ça part. Donc j'espère que tout le monde a compris le cheminement des données. Attendez, je vais vous expliquer plus simplement. Le fonctionnement d'un vieil ordinateur ajouté à un cahier, ajouté aux applications d'un smartphone, donne une tablette tactile. Une tablette convient autant à des enfants qu'à des personnes âgées. La tablette présente différents intérêts d'utilisation. Maître Corbeau, virgule, sur un arbre perché. Grâce à son interactivité et à sa facilité d'accès, la tablette permet aux enfants d'étudier et de progresser en s'adaptant au rythme de chacun. C'est le café que vous m'avez demandé. Merci. Avec plaisir. La tablette tactile, tout comme les smartphones, donne accès à de nombreuses applications parfois très utiles et indispensables. N'ayez plus peur d'oublier votre GPS. Là, ce sera à gauche. D'accord. Grâce à la tablette qui donne accès à de nombreuses cartes, son application GPS vous localisera et vous indiquera la route. Alors, SNCF.com, Tarbes-Toulon. Ouais, avec la possibilité d'accès à Internet, vous pouvez accéder à diverses informations très utiles, comme les horaires des trains. Les applications et les jeux proposés sont adaptés pour tous les âges. Voilà. Tout le monde y trouve son bonheur selon ses goûts. Une tablette convient autant à des enfants qu'à des personnes âgées. La tablette a un aspect ludique. Grâce à la tablette, vous n'oublierez plus aucun rendez-vous. Vous aurez votre agenda toujours sur vous. Je sais pas quoi faire. C'est bientôt notre tour. Et votre enfant ne s'ennuiera plus dans les salles d'attente. Tu veux jouer ? Ouais. Grâce aux jeux proposés pour les divertir. Les tablettes tactiles se sont vues intégrer de nouvelles fonctions comme la photographie avec une qualité acceptable. Une tablette convient autant à des enfants qu'à des personnes âgées. Les tablettes sont accessibles pour tout le monde et pour tous les âges. Première tasse. La deuxième tasse. Une tablette a tout à fait sa place dans une famille. Les parents peuvent trouver des recettes de cuisine grâce aux applications. Bon, papa, t'as fini avec Marmiton, là j'en ai besoin. Hein. Ah bah oui. Attends. Les enfants ont accès à leur compte Facebook. Bonjour grand-mère. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Ah, que ça me fait plaisir de te voir. Grâce à sa webcam intégrée, la tablette permet de faire des visioconférences. Elle offre donc une communication à distance et permet le rapprochement avec ses proches. Une tablette convient autant à des enfants qu'à des personnes âgées. Avec des prix très divers, les tablettes sont accessibles pour un large public. Une tablette convient autant à des enfants qu'à des personnes âgées.